Donc salut à toutes et à toutes, c'est Sevenfold71, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la démo de Dead Space 3, donc que j'avais commencé récemment en fait, voilà. Donc toujours au même endroit, toujours à la suite, j'ai commencé carrément direct après, là je suis un fou. Où on était en train de défoncer des zombies, on s'était quitté, enfin non, des nécromorphes si je ne me trompe pas. Donc là, on va rentrer dans une salle où ça va être hard. Je risque de mourir, eh oui. Encore et toujours, je meurs souvent. Non, je suis mort qu'une fois, je crois, dans la dernière vidéo. Vous allez me dire, c'est une fois de trop, mais je suis mort une fois. Ça a permis de vous montrer, en fait, c'était pour vous montrer comment ça faisait quand on mourait. Non, je rigole, en fait, c'était pas du tout prévu que je meure. Je me suis un peu rattrapé à la fin, on va dire. Hop, non, je sais même pas pourquoi je vais là-dedans. Fabrication d'armes, amélioration, j'essaie d'améliorer le... ça là. Je ne peux pas améliorer. Je vais améliorer mes dégâts. Comment je pourrais faire? Il me semble que l'autre coup j'étais arrivé à améliorer le truc. Attendez. Peut-être dans le schéma. Non. Peut-être là-dedans. Ah, c'était peut-être là-dedans. Ah, il y a un outil inférieur. Je vais mettre un outil inférieur dessus. Et hop. Non, bah, ça devait pas être là-dedans finalement. Ouais, bref, il n'y a pas d'importance. On va continuer la démo. On va pas s'attarder là-dessus. Et voilà, on retourne en arrière. Ah voilà, ah ça y est, ah j'ai... Ah j'aime bien ce truc. J'aime bien. Bah bon, alors, les pompes à stase, oui, parce que là, il va falloir libérer cette machine bizarre, il va y avoir plein d'ennemis qui vont arriver. Enfin, vous allez voir, ça va être chiant. Enfin, c'est bien fait, mais bon, tout seul, c'est pas facile, parce que... Ah oui, je l'ai pas dit dans la première vidéo. On pourra jouer à deux à Dead Space. Ouais, j'ai cru que j'allais tomber dans le trou comme une grosse merde. On pourra jouer en coopération à Dead Space, oui, donc grosse nouveauté. Bien ou pas, ça c'est à vous de voir. Ouais, ça va être dur, ça va être dur. Je vais changer d'arme. Ça, faut que j'ai ralenti, faut que je tire là-bas au milieu, je m'en fous de l'ennemi qui est à côté. Tac, tac, tac. Hop, ah, il y en a partout. Vite, 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 cours, cours, cours. Ah, mais ça reste longtemps là ce truc. Ah, mais c'est vrai, j'avais mûri là. Ok, qui fait la lutte. Ouah, il m'a fait peur. Hop, je change d'arme, je cours encore. Je vais ramasser des machins par terre. Je vais essayer de les bousiller eux là. Au moins les pieds quoi. Ah, j'ai plus de munitions, cours Claire. Merde. Ah, mais je suis mort carrément. Ah, ok, bon bah voilà. Je suis mort, grosse surprise, je suis mort. Eh oui. Je crois qu'en fait cette machine tue du premier coup. Et là, oh putain. Oh putain, lui. Ah, c'est pas facile en causant, hein, de jouer à... de faire cette scène. Hop. Voilà, je vais récupérer des machins, là, de la pompe de stase. Tac. Ah. Le revoilà, la machine infernale. Ah, mais ce machin n'est pas sorti, je le stase avant. Je suis un anticipeur. Quoi? Non, je l'ai déjà tué. T'es sérieux là? Ah, c'est magnifique, franchement c'est magnifique. Je parlais de la mise en scène, je parlais pas du gameplay, hein, rassurez-vous. Non, je parlais bien de la... C'était vraiment bien fait, enfin bref, je me répète souvent, je le sais, mais... Voilà, quand quelque chose est bien, je le dis, point. Alors, hop, hop, ça voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a d'autres trucs brillants par terre. Oui, là-bas. Non, c'était le mur. Ha! Fake. Alors, après, Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va avancer tous. Ouais, je suis sûr qu'il se porte comme ça, là. Attention, suspense.
Ah, faut que je tue ces machins là-bas. Et ces machins, oui, oui, ces machins, ce ne sont pas des monstres, ces machins sont des humains. Ah, mais ils sont chiants à battre en plus, tac. Tiens, toi, t'es mort. Est-ce qu'il... Ah, je vais courir de l'autre côté, là. Hop, hop, hop. Ah, c'est vrai, il y a le truc, là. J'ai complètement oublié la roulade. C'est un nouveau mouvement aussi, la roulade. Comme se mettre accroupi, comme ça. Voilà, on peut se mettre accroupi derrière les caisses. Comme ça. Voilà. Ah, qu'est-ce qui se passe? Il est pas content, hein. Regarde, ça, je trouve ça, cet endroit, je le trouve aussi également magnifique. Je crois que c'est le plus bel endroit de la démo pour moi. Bon, eux, ils sont bouffés lamentablement. Il est bizarre ce machin. Bon, là, je vous dis pas, dans le jeu, le vrai jeu, si c'est encore un boss, ça fera quasiment 3 boss en vraiment pas longtemps, quoi. Donc voilà, la démo est finie, en fait, j'aurais carrément pu y faire en une vidéo, si j'aurais su. Ben, voilà, donc j'espère que cette vidéo également vous aura plu, que cette petite présentation de la démo, en fait, carrément vous aura plu. Je suis mort 2 fois en tout, je suis désolé. Piètre démonstration. Et donc je vais peut-être vous montrer, ça m'a donné envie de vous montrer des vidéos sur les autres Dispace. Voilà, elle nous présente en gros le jeu qu'il y aura... qui sortira bientôt, pre-order now, et oui, c'est fait pour moi personnellement. Donc voilà, nous sommes de retour dans l'écran titre. Donc voilà, comme je vous le disais, le mode coopération, voilà, ça sert à rien que j'y fasse parce que je suis tout seul. Dans les paramètres, faut que j'aille voir un truc. Ah d'accord, on peut jouer avec Kinect, oui, c'est bien ce qui me semblait. Donc voilà, compatible Kinect, compatible coopération. Des nouveaux mouvements, des nouveaux... mince. Une fabrication d'armes nouvelles. Donc, on va se quitter là-dessus, sur la fin de cette démo, sur cet écran titre magnifique. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo et cette petite série, entre guillemets, de la démo de Dead Space 3. Donc, j'espère vous retrouver à très vite sur d'autres vidéos. Allez, ciao !